Bonjour à toutes et à tous. Il y a quelque temps, j'ai eu la chance d'assister à un Shabbat plein à Olamy, Montpellier. Impressionnant, considérable, épatant, extraordinaire. Les adjectifs me manquent et peinent à décrire l'intensité de l'aventure qui s'y est déroulée. Portée par le Rav Yann Arnoux, la parole de Torah était exposée avec toute sa profondeur et son exigence, sans compromis ni souci de plaire. Et pourtant, les étudiants étaient à l'écoute, buvant avec avidité sa parole de feu. Le secret de Rav Yann Arnoux, si facile à énoncer, mais si difficile à réaliser. Vérité, mais amour infini des autres. Habité de la conscience aiguë de ce que signifie le Ham Israël, un peuple de tous les Juifs sans exception. Il se donne, lui, son épouse, sa famille, et l'équipe formidable qui l'accompagne, sans compter, corps et âme, pour chaque un, parce que son amour pour chaque juif est infini. Brillant étudiant des plus grandes yeshivot d'Israël, élève assidu et apprécié des plus grands maîtres, il a abandonné ce confort intellectuel et religieux pour littéralement s'offrir, lui et sa famille, au service des juifs de France. Olamy Montpellier, c'est un centre d'activité pour étudiants qui se retrouvent dans un cadre sympathique et agréable pour des cours et autres activités. Mais c'est aussi une yeshiva où l'on renoue au XXIe siècle avec la Torah des plus grands maîtres du judaïsme français qui, au XIIIe et XIVe siècle, ont séjourné à Montpellier. Olamy Montpellier, c'est l'espoir non seulement pour les Juifs de Montpellier, mais pour tout le judaïsme français.